Oui, plutôt qu'on en voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer sur ce schéma exactement ce qui s'est passé aujourd'hui? Dans le corps central qui fait le lien avec la salle d'embarquement, il y a eu effectivement un certain nombre de constats qu'il y avait des fissures. Ces fissures, j'allais dire, dans des bâtiments en béton, et ce n'est pas le cas que des aérogares, tous les grands bâtiments en béton ont un certain nombre de fissures. J'allais dire, ça, ce n'est pas spécifique à nos propres bâtiments. Ceci étant, compte tenu, disons, de l'ambiance générale et un peu de la crainte qu'il pouvait y avoir, compte tenu, disons, de la demande un peu des personnels, nous avons préféré prendre de nous-mêmes, disons, le fait que, en attendant les résultats d'études de bureaux extérieurs, nous avons préféré, disons, ne plus avoir de personnel, y compris dans la deuxième corps de bâtiment. Pour leur indiquer à quel endroit, comme d'habitude, ils vont avoir lieu, et pour répondre à toutes les questions, disons, qu'ils pourraient poser. Et on a une deuxième zone, sur les 600 mètres de long, la partie qui s'est écroulée fait une vingtaine de mètres de large, et il y a une deuxième zone qui est strictement identique dans sa conception à la partie qui s'est écroulée. On a pris toutes les précautions, sachant, ayant appris qu'il y avait des craquements entendus dans une zone proche de celle-là, pour l'éventualité que cette deuxième partie présente les mêmes désordres que ceux qui ont amené à l'écroulement du premier élément.